la question des musulmans en France. C'est un appel qui fait suite à l'appel du président du Conseil français du culte musulman de France, M. Amar Kubesh, qui viendra prendre place au débat tout à l'heure. Donc, il est encore à Paris, puisqu'il était invité par le président François Hollande tout à l'heure. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Abidejdi pour vous présenter l'origine de cet édifice et vous expliquer pourquoi finalement on a choisi de le bâtir de cette façon. Voilà. Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'avoir répondu à cette invitation. Et je tiens à saluer votre dynamique et surtout votre courage d'avoir accepté de franchir le pas du mosquée, sachant que nous sommes dans un contexte comme la hiérarchie, un contexte un petit peu difficile. En tout état de cause, nous nous sommes sentis quelque part portés par cette obligation de nous ouvrir à nos concitoyens, d'ouvrir nos portes pour pouvoir échanger avec eux, pour essayer un petit peu d'éradiquer ou d'éradiquer ces préjugés parfois, ou bien des incompréhensions, des amalgames qu'on peut construire au fur et à mesure à travers le contexte géopolitique international, à travers les événements qui ont frappé de plein fouet notre pays en 2015. Et je vois à travers le petit échantillon auquel je viens de participer que toutes les questions effectivement sont posées. Et pour moi, c'est déjà un indicateur de grande réussite de cette opération, à la fois en nombre de participants. Et je vous remercie tous et toutes et tous d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la Grande Mosquée de Tamblay, mais également par la qualité des questions qui étaient posées. Après le déroulement de ces deux jours des portes ouvertes et de paix de la fraternité, nous sommes effectivement très très satisfaits au niveau du Conseil français du culte musulman de la réussite de cette opération. Nous nous sommes interrogés il y a quelques semaines sur la manière par laquelle les musulmans de France allaient s'associer aux commémorations des attentats tragiques qui ont eu lieu à Paris en janvier dernier. Et nous nous sommes tous retrouvés très rapidement sur cette idée de paix et de la fraternité qu'on pourrait offrir à la veille du 11 janvier. Nous avons effectivement préféré, au lieu de s'attarder sur les actes tragiques et terroristes du 7, 8 et 9 janvier, plutôt essayer de célébrer cet esprit de concorde, cet esprit d'unité nationale qui a prévalu à la marche du 11 janvier, dans laquelle, il y a un an, jour pour jour, l'ensemble de nos concitoyens, de toutes confessions et de toutes convictions, qu'ils soient croyants ou non-croyants, se sont retrouvés dans la rue. Il y avait 3-4 millions manifestants à Paris et puis dans l'ensemble des grandes villes de France. C'était la même chose, à la fois pour proclamer leur attachement à la République, aux valeurs de la République et au pacte républicain, mais également pour proclamer leur rejet de toute forme de violence et de terrorisme. Et donc, à travers l'organisation de cette de la fraternité, nous avons voulu créer un espace d'échange, un espace de dialogue dans un esprit de convivialité et de fraternité pour pouvoir aborder tout un tas de questions ou d'interrogations que nos compatriotes non musulmans voulaient nous poser. Ça a été aussi l'occasion à nos compatriotes de découvrir ce que c'était qu'une mosquée, comment elle était organisée, comment elle était architecturée, quelle est la dimension architecturale et artistique qu'on pouvait mettre au sein, je dirais, d'une mosquée, et également quel est le rôle à la fois spirituel et social que la mosquée peut jouer. Il y a eu également un certain nombre d'interrogations sur les pratiques religieuses des musulmans à travers le déroulement d'une prière ou les ablutions. Donc là aussi, il y a eu un certain nombre de visiteurs qui ont assisté à des prières, je dirais, dans les mosquées de France. Et puis il y a eu ces débats et ces échanges. Et je pense que ce qui vient de se passer à Tamblay, dans la région de Nancy, on est la parfaite illustration, un dialogue et un débat de très haut niveau, avec des questions très pertinentes, avec également beaucoup d'interrogations sur divers sujets, sur la place de la femme, sur la signification de telle ou telle pratique religieuse chez les musulmans, sur je dirais, la contribution des musulmans de France à la vie dans la société, au vivre ensemble. Ce sont également des questions sur la radicalisation, bien sûr, notamment des jeunes, du rapport de la religion musulmane à la violence et au terrorisme. Et je pense que ça a été une opportunité pour les musulmans de France, pour leurs imams, pour leurs responsables, d'expliquer à nos compatriotes, d'avoir ce travail pédagogique
pour les éclairer justement sur la vraie signification des valeurs de l'islam, cette vision de juste milieu, cette vision de tolérance et de modération. Donc nous sommes entièrement satisfaits de cette opération qui a concerné plusieurs centaines de mosquées à travers toute la France. Et le Conseil français du culte musulman est décidé et déterminé à renouveler cette expérience. Nous espérons à terme qu'elle deviendra un rendez-vous annuel récurrent pour renforcer ce dialogue avec nos compatriotes et pour démontrer que les musulmans de France sont ouverts envers leurs voisins, envers leur société, envers leurs compatriotes, pour construire tous ensemble la France, notre nation, à laquelle nous sommes fiers d'appartenir. Je tiens également à remercier chaleureusement Maglore d'avoir participé à ces journées portes ouvertes par son expérience, par son dévouement, et d'avoir couvert cette rencontre très réussie à la mosquée de Tamblaine. Nos vifs remerciements de la part du Conseil français du culte musulman à Maglore, et nous espérons que nous conjuguerons nos efforts à d'autres occasions pour mieux faire connaître aux musulmans de France les activités du CFCM et également l'actualité d'une manière générale au-delà du CFCM, de tout ce qui se passe en France. Merci encore à Maglore et à très bientôt, Inch'Allah. D'avoir accepté de partager cette prière avec vous.